c'était la transition entre le présent et ce que l'on peut imaginer pour l'avenir. L'intelligence artificielle, on en parle dans les grands médias, il y a eu de nombreuses sessions dans le congrès aujourd'hui, hier, les jours passés, pour en parler de façon passionnante. Et d'ailleurs, il y a une application qui est maintenant approuvée par l'agence américaine pour la lecture automatisée par intelligence artificielle des rétinophotos couleurs dans le cadre du dépistage de la rétinopathie diabétique. Mais qu'en est-il pour l'OCT? Pour en parler, j'appelle Mathieu Lamarre. Merci Jean-François. Après avoir vu toutes ces très belles images de OCT aujourd'hui, on peut se poser une question. Est-ce qu'on peut lire automatiquement les OCT à l'aide de l'intelligence artificielle? Mais avant d'aller plus loin, j'aimerais donner ma définition de l'intelligence artificielle. Pour moi, l'intelligence artificielle, c'est des programmes informatiques tout simples qui peuvent imiter l'intelligence humaine pour une tâche spécifique. Alors, les premières briques de cet édifice ont été posées en 1943 par McCulloch et Pitts qui ont, pour la première fois, modélisé le neurone artificiel et les réseaux de neurones artificiels. Mais le terme « intelligence artificielle » ne vient qu'en 1950, dans un papier d'Alan Turing. S'en suivent des évolutions, comme en 65 avec l'apprentissage profond, en 80 avec les réseaux de neurones convolutifs, et enfin, en 98, dans un papier de Yann Leguin, un chercheur français maintenant hébergé par Facebook, il a amélioré et généralisé toutes ces notions-là, et nous sommes actuellement en train d'utiliser les évolutions de ce travail. Alors, il existe plusieurs sortes d'intelligence artificielle. Une des premières applications, c'est la classification d'images. Comment ça fonctionne? On met en entrée une image ou un volume d'images OCT à notre intelligence artificielle. Et pour classer ces images, on utilise un encodeur, qui est une série de filtrages et de sous-échantillonnages. En sortie, nous obtenons ainsi des caractéristiques de très haut niveau, comme par exemple, est-ce que mon volume, mon OCT est pathologique ou non pathologique? Ou alors, quel type de pathologie est présente, comme une DMLA par exemple? Ou quel est le stade d'évolution de cette DMLA? Est-ce que ce cliché est capable d'être interprété? Etc, etc. Il existe donc d'autres types d'intelligence artificielle, comme des intelligences qui vont permettre la segmentation, donc de délimiter des zones sur nos images. Comme tout à l'heure, en entrée, on va mettre une image ou un volume d'image, et on aura enchaîné les traitements dans un encodeur, comme tout à l'heure, mais aussi un décodeur, et on obtient le résultat que vous voyez sur la droite. Alors, pour fonctionner, ces réseaux ont besoin de beaucoup de paramètres. On peut le voir sur cette illustration. Certains réseaux, comme DGG19, dépassent 150 millions de paramètres qu'il faut ajuster. Donc, il est complètement illusoire de devoir les ajuster manuellement. Donc, on va procéder à un entraînement pour trouver ces paramètres optimaux. Alors, beaucoup de calculs sont nécessaires pour trouver ces paramètres optimaux. Plusieurs jours de travail sur un ordinateur performant avec des cartes graphiques performantes. Mais par contre, une fois que ce réseau est entraîné, c'est très facile et très rapide à utiliser. Je mets mon image en entrée du réseau, mon volume d'image, et en moins d'une ou deux secondes, j'ai mon résultat. Alors, pour entraîner ce réseau, il y a plusieurs méthodes. La méthode favorisée actuellement, c'est l'entraînement fortement supervisé. Je vais classer mes données selon un modèle prédéterminé. Par exemple ici, je vous ai illustré en pathologique et non pathologique, avec donc des exemples connus qui forment la base d'apprentissage. Dans cet exemple, je vous ai mis 9 images pour faire la base d'apprentissage, mais il est complètement illusoire de pouvoir entraîner 150 millions de paramètres avec seulement 9 images. Ça nécessite donc, pour l'entraînement, de grosses quantités d'images, plusieurs dizaines, voire centaines de milliers d'images, et interprétées par plusieurs experts. En effet, si l'interprétation est mauvaise, l'intelligence artificielle va apprendre des erreurs et donc va être moins performante. Alors, dans la littérature, quelles sont les applications que l'on retrouve communément? La toute première application qui est la plus visible, c'est la segmentation des couches de la rétine. Selon les études, ça segmente entre 3 et 9 couches, avec des erreurs de positionnement extrêmement modestes, de 3 microns, et des vitesses rapides, moins de 3 secondes, dans le cas de ce papier-là. On peut aussi segmenter et estimer le volume des poches de fluide, avec, selon les papiers,
pour une segmentation de toutes les poches de fluide indifférenciées, un DICE score de 0,75, qui est déjà un très bon score. Et si on se spécialise dans certaines lésions, comme l'œdème maculaire, on arrive à un DICE score de 0,91, ce qui est vraiment très très bon. On peut faire aussi du dépistage de la DMLA. Là, l'idée, c'est de seulement donner un label à mon image, est-ce qu'elle a ou pas une DMLA. Donc, je fais une classification sans donner aucune précision clinique. Dans les différents papiers, on trouve des aires sur la courbe ROC de 0,997, sachant que l'aire maximale est de 1, des très 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 bons résultats. Au Latim aussi, nous avons fait du travail sur la DMLA, et en utilisant une base de données internationale, la base Kaggle Retinal OCT Images, qui contient presque 85 000 images, avec une qualité d'interprétation, comme je l'ai dit tout à l'heure, très très bonne, entre 3 et 6 interprétations par cliché, et ils ont exclu les clichés de mauvaise qualité. Nous obtenons une classification concernant les trois classes que je cite ici, parfaite de 1. Alors, cette base de données-là est une base particulière, puisque de très très bonne qualité, mais si on utilise une base de données de la routine clinique, comme nous l'avons fait à Brest, avec 663 volumes d'OCT et 16 000 images, nous avons obtenu, et une seule interprétation, nous avons obtenu des résultats en fonction de ce que l'on cherche, avec des aires sur la courbe de ROC autour de 0,97, ce qui est tout à fait honorable. Il existe aussi une thématique de dépistage général. Donc, c'est la prise en compte de toutes les pathologies identifiables sur un OCT. On veut pouvoir dire à son patient, est-ce qu'il faut que vous allez voir l'ophtalmologiste de façon urgente, semi-urgente, ou alors seulement pour un examen de routine, ou alors vous n'avez même pas besoin d'y aller, votre examen est normal. En utilisant des bases de données de très très bonne qualité, petite base de données, seulement de 1000 volumes, mais pas interprétée par 8 experts, encore cette qualité que je vous ai racontée à plusieurs reprises, l'aire sur la courbe ROC est de 0,99, c'est-à-dire quasiment une classification parfaite. Il existe d'autres applications dans la littérature, comme l'estimation de la position du capteur, la segmentation du nerf optique, la segmentation de la microvascularisation de la fovéa, mais ceci reste beaucoup plus marginal que les précédentes. En conclusion, ce que je peux dire, c'est que intelligence artificielle et OCT fonctionnent très bien. On a des résultats vraiment fantastiques. Ça devrait arriver très prochainement sur le marché. Et ça ne concerne pas, bien sûr, pas que l'OCT, comme l'a dit Jean-François, la rétinophotographie, les vidéos de chirurgie, etc. Ça va donc impliquer une modification majeure de la pratique médicale avec un dépistage automatique affiné et une aide à la décision qui améliorera vos diagnostics. Je vous remercie.